Retrouvez à la source avec les agences de l'eau. Pour protéger l'eau, chaque geste compte. Parfois, la pollution apparaît là où on ne l'attend pas. À Carquefou, l'usine France Galva s'est aperçue d'une micro-pollution dans ses eaux pluviales non traitées. Chaque année, 2 tonnes de zinc partaient encore à la rivière. Responsable technique et méthode, Olivier Faucheux a identifié le problème. La pluie qui arrachait du zinc aux 1000 tonnes de produits finis entreposés à l'extérieur. Un réservoir souterrain de 450 m3 a été créé pour récupérer les eaux de pluie. Celles-ci sont traitées dans une station dédiée. 90% du zinc emporté par la pluie sont récupérés ainsi. Toutefois, le zinc ne peut pas être réutilisé. Il est dirigé vers des centres de stockage spécialisés. Ainsi, le niveau de pollution de la rivière a été divisé par 20. L'usine travaille maintenant à utiliser directement les eaux de pluie épurées dans son processus de fabrication. C'était À la source, avec les agences de l'eau. Pour protéger l'eau, chaque geste compte.